Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur PES 2018, ça y est, il est sorti. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo découverte du monde My Club. Je ne l'ai pas encore lancé une seule fois, on a gagné 80 GP, vous voyez en haut à droite, juste en se connectant, tout simplement en arrivant, mais on ne s'est même pas connecté à My Club. On n'a rien fait, hein. J'ai fait quelques matchs d'entraînement, mais c'est mes tout débuts. Donc voilà, alors la nouvelle saison est lancée, donc c'est vraiment une vidéo juste pour découvrir My Club, on va pas aller affronter des adversaires de suite, il y en aura, je vais vous proposer beaucoup de vidéos parce que ben voilà, je suis content d'avoir ce jeu, mais ce sera pas dans cette vidéo des matchs, là on découvre un peu. Donc la nouvelle saison est lancée, la phase de groupe de l'UFG1 a commencé, cette campagne débarque dans le monde My Club de Production Soccer, produit sous licence officielle, blablabla, voilà, ils sont tout fiers de leur licence, hein, chacun. Donc cette année ça sera du PES 2018, je continuerai à vous faire de temps en temps des vidéos de FIFA 17. Pas FIFA 18 parce que clairement pour moi ce FIFA 18 c'est vraiment un FIFA 17 avec juste les effectifs à jour, quoi, ça aide là. Alors mise à jour du classement direct, bon toujours pareil, voilà, les joueurs en forme, on voit avec Messi, Suarez, Neymar, Sanchez, Higuain, etc. Et on va voir ce que ça va donner, est-ce qu'on a des GP, est-ce qu'on a des agents particuliers avec ce début, parce que moi j'ai pas un compte, j'ai pas pris une édition légendaire, hein. Donc bon voilà. Alors bienvenue dans le monde My Club. My Club vous permet de bâtir le club de vos rêves et d'affronter des joueurs du monde entier. Voilà, vous connaissez. Il est désormais temps de configurer votre club pour ainsi parler de votre ville d'origine. Ceci s'affichera après le matchmaking. Eh bien, on va pas mentir. On va pas mentir. Hop. Tchac. Est-ce qu'il y a Toulouse? Oui, il y a Toulouse. Ensuite, sélectionnez le club qui servira de modèle de votre base de votre équipe. Non, le maillot de... Là pareil, on va prendre le TFC, Ligue 1 Conforama. Et ils sont où le TFC? Voilà, tout à la fin, dernier, comme si c'était logique. Nom de l'équipe, par contre, on va le changer. Je vais faire comme avec... alors attendez. On va faire comme sur FIFA Ultimate Team. On reste du Toulousain, mais voilà. Stade Toulousain. Voilà, parce qu'on reste... TFC par contre pour abréviation, comme ça au moins voilà, on a un peu les deux. Nom d'équipe commentaire par défaut, bah, oui non ça allait par défaut, c'était Toulouse, ça sera Toulouse je pense, donc ça va très bien, ça ira. Ensuite choisissez un manager pour l'équipe. Alors là moi j'aime bien jouer, faut savoir que j'aime bien jouer à 3 défenseurs centraux. Ça, si vous regardez des vidéos de moi sur PES, j'en ai fait souvent avec 3 défenseurs centraux, mais bon, 4-3-3, 4-3-1-2. Après j'aime bien le 4-2-3-1 avec un attaquant solide et on va prendre un 4-2-3-1. De toute façon on changera relativement vite, parce que ben voilà, hein, parce que de toute façon si on a des gros joueurs il faudra des entraîneurs plus solides, etc. On connaît, voilà. Donc ça, là ça nous ferait en fait 2 défenseurs centraux, gauche droite, 2 milieux défensifs, un milieu gauche, un milieu droit, un milieu offensif et un attaquant. J'aime bien. J'aime bien ce position. Vous devez d'abord construire un club. Vous pouvez recruter un joueur de talent en prêt. Bon, alors là, c'est juste du prêt. Donc, qui on prend, les gars? J'aime bien Arturo Vidal. C'est vrai, c'est un joueur que j'aime bien. Quadrado aussi, j'aime bien. Milieu droit. Lewandowski, après, c'est solide. Hein, c'est vrai. C'est vrai, que Lewandowski, en attaquant de pointe, ça pourrait nous servir quand même. Alors qu'est-ce qu'on prend déjà? Chiellini, défense centrale, avoir de suite un défenseur central solide. On ne peut pas prendre de gardien, je vois. Alors qu'il nous faut, il faudra relativement vite un bon gardien. On va prendre Lewandowski, un attaquant de pointe, ce qui nous sera, je pense, quand même utile. Vous êtes sur le point de recruter Lewandowski, voulez-vous continuer? Oui, voilà, on a décidé de prendre Lewandowski, donc arrive en prêt, il dispose d'un contrat de 5 matchs. Hein. Ne pas, donc ne peut pas être prolongé évidemment, hein, parce que c'est juste comme ça pour voilà, pour se lancer. On ne pourra pas malheureusement le garder très longtemps. Mais bon. L'effectif de votre club a été validé. Allez donc voir votre équipe. Voilà, alors là, le reste des joueurs, vous voyez, c'est pas les mêmes. Bon, mais vous inquiétez pas, on va vite avoir une équipe solide. Donc, peut-être pas vite, mais voilà. Votre club a été enregistré et vous êtes prêt à commencer. Dans le mode My Club, la clé du succès est de gagner des GP en jouant des matchs et en participant à des compétitions et de les utiliser pour attirer les meilleurs joueurs et managers dans votre club. Oui. Logique, hein. Logique. Bon, il est temps de découvrir comment fonctionne le jeu. La gestion de l'effectif permet à votre manager de sélectionner l'effectif qu'il souhaite aligner. Nous conseillons
genre d'apprendre, oui. On a décidé d'être en 4-2-3-1, donc penchons-nous maintenant sur l'alchimie générale de l'équipe. Chaque manager a ses propres idées concernant les instructions d'équipe. Chaque joueur aura également ses propres idées et préférences tactiques. Plus la vision du manager correspond aux préférences des joueurs, meilleure sera l'alchimie générale. Voilà, sélectionnez les bons joueurs et vous pourrez optimiser votre effectif. Si vous alignez des joueurs à des postes qui correspondent aux instructions d'équipe du manager, cette zone du terrain sera sur la carte un point chaud, passera de vert au rouge. Plus les zones de la carte sont rouges, meilleure sera l'alchimie générale entre les joueurs. Ok. L'esprit d'équipe, hein, qu'il faut sélectionner. On va te regarder un tir et quoi. Ok, là il nous montre qu'on a un gardien mieux que ça. Voilà. Hop, l'esprit d'équipe qui monte, c'est parfait. Fabuleux, voilà, joueur d'effectif changé, 80 points remportés. On en gagne un peu pour tout et n'importe quoi des GP, mais bon, ça coûte 10 000 juste un ballon hein, après un agent. Donc bon, vous pensez avoir saisi les bases de la gestion de votre terrain, mais pour créer une équipe, vous devrez ajouter des recrues de talent à votre effectif. À présent, découvrons le processus d'acquisition de nouveaux joueurs. Et voilà, il faut aller voir les agents. Alors les agents spéciaux, c'est pas des très bons joueurs. L'utilisation d'un agent spécial vous facilite grandement l'acquisition de joueurs de talent. Uniquement pour le didacticiel, vous pourrez en utiliser un sans avoir à dépenser de pièces MyClub. Très bien. Bon, ben on peut en utiliser un qui nous coûte rien pour le coup. C'est sûr que c'est un ballon d'or. On voit 100% de chance payé en pièces MyClub, sauf qu'on a 0 pièces MyClub. Donc, bon. Recruter à l'aide d'agents spécial. Allez. On va voir sur quoi on tombe. Et on va voir. On espère tomber sur un joueur sympathique, un joueur que l'on aimerait bien. C'est bien, franchement c'est bien. Nani c'est plutôt cool, on va le mettre mais sur le milieu droit. C'est plutôt cool, j'aime bien, en plus c'est un joueur que j'aime bien. Alors c'est vrai qu'il a eu des saisons pas toujours géniales Nani, mais c'est plutôt cool, on est bien tombé. Récupération d'endurance, vous avez reçu un article en récompense pour l'utilisation sous gestion de l'équipe, si vous voulez. Ok. Quelle votre équipe, n'oubliez pas de l'enregistrer dans un... Oui, donc il faudra évidemment le mettre dans notre équipe, ça pourra être utile. Découvrez ensuite comment utiliser un recruteur pour mettre la main sur un joueur. Donc vraiment c'est une vidéo pour vous montrer un peu comment on démarre sur MyClub. Hein. Vous attendez pas une vidéo fofolle, voilà. C'était histoire de vous le montrer et de partager ça avec vous. Donc recruter un joueur. Sélectionnez un emplacement attribué à votre recruteur. Sélectionnez l'emplacement 1. Très bien. Donc là c'est là où il en faut pas mal pour essayer de bien coordonner chacun de vos des entraîneurs pour pouvoir recruter des recruteurs pour pouvoir avoir un super joueur, mais bon, ça c'est enfin le joueur que vous voulez. En cadeau spécial, vous disposez de 3 recruteurs. Commencez par sélectionner un recruteur spécial pour le didactiel. Et les flics sont énervés. Non, ils ont juste pas envie. Bien sûr. Ils ont juste pas envie de rester dans les bouchons, on le sait très bien. Il s'agit d'un recruteur spécial accédant. Un recruteur spécial accédant à certains joueurs spécifiques. Ok. Ici, vous pouvez voir les joueurs disponibles. La liste de candidats varie selon divers facteurs tels que le type de recruteur et son rang. Vous pourrez obtenir un des joueurs de la liste. Plus la capacité d'un joueur est élevée, moins vous aurez de chances de le voir dans votre effectif. Donc, c'est pas cool ça. En combinant différents types de recruteurs, vous pouvez réduire la recherche aux joueurs que vous voulez vraiment obtenir. Réglez à présent les 2 recruteurs restants de la même manière que le premier. Voilà, donc là, on va mettre... un autre, ben on en a que 2 de toute façon. Technique de joueur ou poste joueur. Alors là vous voyez on peut avoir les joueurs qui sont marqués à droite et on va encore réduire la truc. Ben on est sûr d'avoir Maccabi, on va dire Maccabi quand même, c'est mieux. Bon, en assignant plusieurs recruteurs, une moyenne sera tirée du rang individuel de chaque recruteur. En combinant 3 recruteurs, le nombre de candidats a été réduit à un seul. Voilà. Eh ben ils sont chiants, hein. Ces flics, pour le coup. Recrutement est fait. Bon, on a gagné 400 GP. Bon, là, en fait, ça tourne, mais on est sûr. On sait qui on va avoir, en fait. Négociation. Bon, on gagne plein de GP, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Ok, donc c'est un joueur que je ne connais pas. Mais on verra, hein, milieu. Est-ce qu'il a sa place? Je pense que oui. Quand vous réduisez la recherche du joueur d'un seul candidat, vous avez la garantie de pouvoir l'ajouter à votre effectif. Vous pouvez obtenir un recruteur à la fin de chaque match. Vous pouvez également les obtenir via l'option en chair, blablabla. Bon, on va arrêter de vous faire...
on veut voir d'autres trucs. Enfin, découvrant l'historique de My Club en remplissant toutes les conditions, oui, ça on peut gagner des pièces My Club en fait, si on est quoi, ça fiche, rempli. Genre, en fait, on en a gagné déjà pas mal. Et je suis désolé, hein, c'est assez chiant, ils ont vraiment... Il y a des bouchons à Toulouse en ce moment. Bien, il est enfin temps de lancer votre carrière My Club. Oh là là, mais... Ils sont sérieux. Ils m'énervent parce que c'est vraiment juste, ils ont pas envie de... Ils veulent pas rester dans les bouchons et profitent de leurs droits comme ça. Ça, c'est un truc qui m'énerve un peu, mais bon. La clé pour gagner des matchs dans ce mode est de renforcer votre club. Utilisez divers managers et joueurs pour créer la meilleure équipe possible. Boum. Allez. En plus, ils ont du mal à avancer, on sent. Bonus de participation à la première journée. Donc, vous voyez que c'était vraiment la première. C'était ma première entrée sur... Alors, le mode en ligne MyClub a été rénové avec de nouvelles fonctionnalités et d'autres améliorations. Pour fêter le lancement de PES 2018, nous organiserons une campagne de connexion qui recommencera avec un bonus GP quotidien, récupérer tous les jours, blablabla. Un truc plutôt classique. Par contre, boîte de réception, on va y aller. On va regarder un peu ce qu'on a. Voilà, kit de départ MyClub. Hop, recevoir. On va se les faire un par un, on va les lire. Voilà. Ah, vous avez reçu, blablabla. Après, pareil, campagne MyClub. Hop, on récupère. Et là, après, ça va être des agents sympathiques. Bonus de vétéran, PES 2017-2018. Voilà, ça, c'est parce qu'on a joué à PES 2017. Pourtant, le mode free-to-play, mais voilà, c'est quand même plutôt sympa. Je pense qu'on aura un agent particulier. Vous avez reçu le cadeau. Bonus de vétéran exclusif, c'est plutôt cool. UEFA Champions League, c'est quoi ça? Je ne sais pas, mais on va tout ouvrir ensemble. Je vous ai assez bassiné avec ces enfoirés qui étaient le... Le gyrophare est quand même pas possible, alors on va prendre le temps maintenant. UEFA Champions League Star, hein, vous avez reçu le cadeau Day One Bonus exclusif. Donc parce qu'on a... On a l'agent Usain Bolt. Eh bien on va avoir Usain Bolt. Ouais, je pense, on va voir. Mais je comprends pas, j'ai acheté la version, vous savez, à 25€, pas très cher du jeu. Hein. Bon, mais écoutez, on récupère tout, vous avez reçu la campagne spéciale. Blablabla. On en a des choses, hein. On va avoir des trucs à ouvrir, on espère avoir une équipe correcte dès le début presque. Kit de départ My Club exclusive, alors je sais pas à quoi ça sert, kit de départ, qu'est-ce que c'est, agent FW, je ne sais pas ce que c'est, ah mais oui c'est les milieux, on va avoir, ah cool, on va avoir un agent gardien qui fera qu'on va pouvoir avoir de suite un gardien de but à peu près correct, vous voyez, alors pas forcément, on n'aura peut-être pas Gigi Buffon, hein, même si moi j'aimerais bien. Mais on aura un gardien de but correct normalement. On va aller ouvrir tout ça maintenant les gars. Je crois qu'il est là. Temporaire historique My Club, on n'a pas tout récupéré là des clubs aussi. Si tout recevoir. Hop. Comme ça on va monter. Voilà. On a 200. Donc je crois que c'est 250 un ballon. Donc je vais vous montrer un peu où il faut aller. Donc, Clubhouse, c'est à contrat je pense. Super agent, agent spécial. Ils sont où nos agents spéciaux, je pense, on en a là. On possède là, voilà. Encore une fois. Eh bien, on y va, encore une fois. UEFA Totini 2016. Restriction d'achat. D'accord. Ça, truc 2016. Bon, écoutez, on y va. Je crois que ça, c'est celui de... Parce qu'on a joué à PES 2017. Team of the Year 2016. Bon, écoutez, on va voir. Ça c'est sûr d'avoir un super joueur, c'est celui-là. C'est celui-là. On est sûr d'avoir un super joueur, donc écoutez. Attendez, non, on le prendra à la fin. On le prendra à la fin, ce super joueur assuré. On va voir le gardien de but déjà. Le gardien de but, allez, on va voir, on essaie. On essaie de faire dans l'ordre, même si bon, on peut avoir un super joueur, etc. Voilà, il nous faut un gardien de but qui tienne la route. Ah, ça va être un ballon argenté, donc c'est pas des... Voilà, il nous faut au moins les dorés ou les noirs, normalement, pour avoir un sacré gardien de but. Vermeer, rareté, argent, simplement apporté, Pays-Bas. C'est un gardien de but que je ne connais pas, mais bon, on va dire que ça va. Allez, ajouter à l'effectif. Hop, on les met de suite, parce que voilà, sélection. Hop. Comment ça? Je vous ai dit, c'est une vidéo calme. On est en mode pépère, hein, les gars. Pas de...
Voilà. Soyez cool. Qu'est-ce que c'est ça? On va faire le défenseur. Ça c'est les. En fait, ça c'est les agents qu'on a gagnés. Ouais. Bon. On voit le ballon noir, c'est le meilleur truc, mais il y en a même pas. Et on a que des. On a même pas les ballons dorés. Les ballons dorés, ça serait quand même des joueurs plutôt solides. Les ballons argentés, c'est pas foufou. Ah, ça si, par contre, j'aime bien Ignacio Abate. Arrière droit du Milan AC. Ça, je suis plutôt content. C'est un joueur qui, si je le joue pas mal, je le garderai peut-être en titulaire toujours. Franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, donc évidemment, on va le mettre avec grand plaisir. Et notre équipe qui va. Faut réaliser que Lewandowski va partir après 5 matchs et qu'il faudra recruter un attaquant. Hein. Bon. Un milieu de terrain, allez. On espère toujours de sacrés joueurs. Mais voilà, vous voyez là, il y a des dorés. Ouh, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Il y a un noir, vous voyez. Mais bon, on pourrait tomber dessus. En plus, c'est à la chance. Mais je sais pas, ouais, c'est à la chance, mais bon. Knockert, alors je ne connais pas, nationalité France, club East Sussex, je ne connais même pas, je ne connais pas, donc là vous voyez, hein, c'est milieu droit, ouais, le truc c'est qu'on a Nani, hein, donc on va l'ajouter à l'effectif, mais on va le mettre à remplaçant, parce que milieu droit, en fait, on a ailier droit Nani qui se fera un plaisir d'y être, donc on va sortir un attaquant, hop, voilà. Lui sera malheureusement remplaçant. Vous voyez déjà, premier ce recrutement, c'est même pas un titulaire. Et bon. Allez, là donc c'est un attaquant. Et on espère que ça va le faire, les gars. N'est-ce pas? Alors, il est où le ballon noir? Est-ce qu'il y en a un? Vous le voyez, vous, circuler? Il n'y a pas de ballon noir. Il n'y a pas beaucoup de ballons dorés, d'ailleurs. Ils ont pas envie de nous donner un gros attaquant après... Ce sera peut-être un attaquant remplaçant. Encore un ailier. Mais voilà, là on a vraiment un ailier droit. Encore un truc. Regardez, on en a trois. Deux ailiers droits, un milieu droit. Et c'est des trucs qui m'énervent un peu. Ça m'énerve déjà. C'est vrai que ben, tu sais pas quoi en faire, le mec. On a déjà plein des trucs à droite. On va sortir un. On a déjà... Mais qu'est-ce que c'est ça ouais, non, il n'y est pas Nani. Nani n'a pas encore été mis. Nani, évidemment, c'est cool de l'avoir, par contre. Hein. Attention. Faites pas dire à ce que je n'ai pas dit. Hein. Je suis content d'avoir une Nani. C'est le reste. Alors, allez, on y va. Bon, on va recruter lui. On va pas trop savoir quoi faire. Mais bon, vous savez qui c'est. Voilà, je suis pas fan, je pense pas que je l'utiliserai trop. Dès que j'aurai des joueurs à peu près corrects, et pas forcément parce que lui il est très rapide, etc. etc. Voilà, c'est la star. Il a 75 de notes des générales, mais il va bombarder à une vitesse assez folle. Donc voilà. Bon. Je suis pas fan, moi, qu'il ait été mis, ou sinon il fallait le mettre avec une note vraiment moins forte, parce que regardez, vitesse, explosivité, 99-99, ça va faire la diff, ça. Enfin, on verra. On va l'ajouter à l'effectif, parce que on est au début, voilà, hein, à la place de Chanou, en milieu gauche. Ça peut avoir son efficacité, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Allez, on a encore des trucs, des tirages à faire. 2%. Qu'est-ce que c'est ça? UEFA Champions League Star. Bon, ça j'ai l'impression que c'est pas génial. Comme je vous l'ai dit, on garde le dernier tirage pour la beauté du geste. Oh là là, on n'a pas eu un seul, même pas ballon doré. Alors ballon noir, je vous en parle pas. Et même pas de ballon doré, quoi. Mais, on n'est pas verni quand même. Faut le reconnaître. Vermeulen, un défenseur central. Bon, c'est bien ça. Ça va tenir la charnière quand même. Défenseur du Barça, ça c'est pas trop mal. Ça va pouvoir nous permettre de tenir un peu du côté de la défense avec déjà Abate et Vermeulen. Plus un gardien de but, bon, énorme mais correct, ça permet de tenir. Qu'est-ce que c'est ça? Premium Partner Agents. Bon, je sais pas. On n'a pas trop de chance sur les tirages. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Allez! Ah non, mais regardez, ils sont entre les dorés, hein. Évidemment. Hein, ne te gêne pas, on ne te dira rien.
Lucas Leiva. Ah, je jouais avec FIFA, je me souviens, lui. Milieu défensif, il n'est pas très costaud, mais bon, il est vif, c'est un peu un Verratti bis, lui. Mais bon, c'est pas moins fort que Verratti, mais voilà, c'est dans ce style-là. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça va mieux. C'est moins mauvais, là. Et on va avoir déjà une équipe. Ouais, Lucas Leiva, je l'avais, je crois, dans mon FIFA Ultimate Team, mais je crois que c'était il y a longtemps, c'était genre FIFA 12 ou FIFA 14, je sais plus. Allez, on va voir. Donc UEFA Champions Star, hein, groupe AD. Donc d'accord, c'est les groupes. Mince, mince, on a déjà plus de place dans l'effectif. Oh là là, oh là là. Ah mais attendez, on peut augmenter l'effectif. On a des GP. Alors vous allez voir, parce qu'en fait, il nous faut plein de. On va pas de suite. C'est où? C'est Boutique My Club, je pense. Acheter, consulter. Non, je veux pas acheter des pièces. Consulter bien sûr. Non, c'est pas ça que je veux. C'est où qu'on. Ah, agrandir le club, voilà. Vous voyez, joueur 30, recruteur de. Augmenter la taille de votre effectif. C'est histoire de vous montrer. Donc pour l'instant, là, c'est 500 GP pour les 5 prochains. On va payer avec des GP. Et après, ça va monter très vite et ça coûte de plus en plus cher. Mais vous êtes obligé de faire ça, hein, parce que voilà. Là, en fait, au final, ça nous a quasiment rien coûté. 5 joueurs, donc voilà, c'est bon. On a ce qu'il faut. Maintenant, on peut aller finir le recrutement, les gars. Agent spécial. Pour l'instant, nos GP en plus, on va pas trop les utiliser. Oui, voilà, on a 3 recrutements encore à faire. Allez, c'est parti. Donc, c'est groupe AD et l'autre, on a fait les autres groupes. Ah, il faut qu'on les paye. J'ai payé moi? Ah ouais, non. Ah non, lui, on le prend pas. On le prend pas, pardon, parce que j'en ai pas payé, j'espère. Non, je crois pas. Bon, donc il nous en reste 2 tirages à faire. Allez, on y va. En espérant. Avoir un gros tirage. Ah, il n'y a que des ballons dorés. Et un ballon noir. Bon, on n'aura pas le ballon noir, évidemment. Hein, faut pas déconner. Mais c'est pas grave, moi, je vais avoir quand même un sacré joueur. Mais qui? Suis pas fan. Enfin, c'est pas mal, hein. On va pas se plaindre, mais peut être mieux. Mais on a déjà un milieu de terrain vraiment fourni. Il va nous manquer un milieu offensif parce que. On va avoir Nani à droite. Ouais. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez. Et on a un dernier tirage. Hein. On va voir ce que ça va donner. Où là, c'est sûr qu'on a un ballon noir. Donc c'est sûr qu'on a un gros joueur. Mais qui? Mais qui? UEFA.com. Team of the Year 2016. Alors, y a qui dans les joueurs de l'année? Il peut y avoir Gigi Buffon, par exemple, au gardien de but, je crois. Peut y avoir Ronaldo. Peut y avoir un. Bon. On va voir. On va voir. On espère un bon tirage, les gars. Allez, on y croit. On y croit. Iniesta. Iniesta. Et c'est bon, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas. On va voir ce qu'on peut faire. Peut-être que je vais mettre Lucas Leiva plus devant. Et Iniesta, quand même, rester derrière. Même si Iniesta en milieu offensif, ça le fait. Hein. Ça va. C'est pas mal. Donc c'est plutôt cool quand même Iniesta. Mais ouais, moi je pense qu'on peut le mettre là, Iniesta. Je pense que c'est envisageable. Alors après, à voir si Lucas Leiva. Non, je pense que c'est Iniesta le mieux pour aller là-bas. On perd en entente. Voilà, il va falloir les faire jouer ensemble et on va pouvoir augmenter notre collectif, notre entente d'équipe. Mais voilà, bah écoutez. Je vais nous rajouter Nani à droite. Et puis on va pouvoir avoir une équipe qui tient à peu près la route. Hop, on regarde ça tranquillement ensemble, regardez. Donc toi malheureusement tu t'en vas mon petit parce qu'on a un sacré joueur qui nous attend là-bas, voilà. Nani. Puis on a lui aussi. On a beaucoup de milieux de terrain quand même relativement solides. On a un milieu quand même qui peut gérer. Je pense. Ce qu'il va nous falloir après très vite c'est un attaquant. Parce que Lewandowski ne va pas rester. Et on n'a pas de vrai attaquant. Donc ça sera un peu la difficulté. Après on a une défense qui n'est pas complète en fait. Voilà. On a une équipe quand même sympathique. On verra ce que ça va donner. On pourrait se lancer dans un petit. J'ai même pas pensé à regarder l'entente d'équipe, mais division simulée contre l'IA. On peut se faire un. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs
Match amical de My Club. Je découvre avec vous, hein. Maintenant, là, voilà, on a fait ce qu'on voulait faire. Je sais pas, je pourrais lancer un petit match contre l'IA pour vous proposer de voir ça. De voir à quoi ça ressemble. On choisit pas le niveau de difficulté, je. Ah, bon, difficulté normale. Bon, notre équipe, elle est pas mauvaise, donc ne devrait pas être trop catastrophique, mais voilà. Il y en a qui ont déjà. Taylor Maccabi, lui aussi. Nous, il est remplaçant déjà. Bah écoutez, on y va. On se lance dans la game. Allez, en avant. Donc PES, c'est 2018, c'est vraiment. C'est un jeu qui m'a beaucoup fait donner envie. On a enfin la version en plus belle. Hein. Regardez mes vidéos de PES 2017, qui sont récentes. Et PES 2018, là, et en match. Vous allez voir, il est beau le match. Il est beau le jeu, vraiment. Les commentaires, il faudra les changer, soit les enlever complètement, soit peut-être mettre les italiens ou je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est parti pour notre premier match avec notre équipe, donc avec quand même quelques joueurs solides. Quel est le joueur dont je suis le plus content d'avoir? J'ai deux joueurs dont je suis vraiment content. C'est Abate et Iniesta, c'est vraiment des cool des joueurs. Lewandowski, bon malheureusement on le gardera pas. Nani aussi j'aime bien, mais allez, Lewandowski s'est arrêté de la part du gardien. Et vraiment il est très très beau graphiquement. Alors je sais pas, j'espère que ça va bien rendre en vidéo. Mais on adore aussi les transferts des grandes stars qui souhaitent relever un nouveau défi. Allez. Et là, c'est vrai qu'on a Usain Bolt, ça je suis pas. Et oui, c'est formidable de voir un grand nom prendre des. Boum, Usain Bolt. Oh là là, qui a donné un caviar à Iniesta. Mais Iniesta qui rate. Hors centre, ça marche pas, on marque pas pour l'instant. Mais ça fait du bien d'avoir vraiment le PES 2017 demeure. Le PES. Donc vraiment, bah, vraiment la version belle. Voilà. Et c'est le but, Lewandowski. C'est notre capitaine, mais on va mettre plutôt Iniesta capitaine. Mais voilà, on quel centre, mais quel centre, but inscrit sur centre. C'est plus facile. Voilà, c'est bien, on commence bien. Je vais essayer de vous montrer un peu la vitesse de Usain Bolt, Iniesta. On va essayer. Allez, Usain Bolt. Et ouvre la marque très tôt. Changement de curseur manuel. Pourquoi pas. On a essayé de travailler au corps avec Usain Bolt. Allez, sol. Nani. Nani. Iniesta. Ah, on a essayé d'enrouler la balle. Malheureusement, ça n'a rien donné. Évidemment, le but sur MyClub, c'est pas d'affronter l'IA, c'est surtout de jouer en ligne. Hein, mais allez. Mais bon, voilà, c'est. Ah non, là, c'est cadeau pour le gardien de but. Andrés Iniesta. Ignacio Abate, on va tenter de la frappe. Ouh, ça ne passe pas, c'est pas cadré. C'est pas la force de Abate de faire ça. Ouais, donc il y a quand même quelques joueurs dont je suis content. Par exemple, Iniesta, il faut savoir que je suis plus content d'avoir Iniesta, par exemple, qu'un Cristiano Ronaldo. Iniesta est un joueur que j'aime beaucoup. Ronaldo, franchement, oui, c'est un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur en ce moment avec Messi. Donc. Mais ça m'aurait pas plu parce que c'est pas un joueur que j'aime. Donc voilà, je suis plus content. Enfin, j'apprécie plus d'avoir Iniesta, que j'aime beaucoup. Ça va être tout. Donc je suis plutôt content pour ce tirage d'Iniesta. Allez, Lewandowski, on trouve Nani. C'est pas mal. Hop, on repique. Hop, on le provoque. On tente de centrer Iniesta de la tête. Usain Bolt, Lewandowski, ou ça se cafouille, mais ils s'en sortent bien. C'est un fan de Barcelone. Oui, c'est là. Mec, en fait, faut savoir que là, on affronte en fait une équipe de joueurs hein, comme nous, mais on affronte l'IA. Hein. C'est pas un adversaire en ligne là. Et voilà, ça fait du bien de jouer à PES par rapport à FIFA. Hein. Vous savez que j'aime bien FIFA, mais tu sens vraiment un poids, ça se rapproche plus d'une simulation et c'est vraiment cool. Toujours un zéro et qui contrôle le ballon plutôt bien. Voilà, ça fait, c'est vraiment cool. En plus c'est très très beau graphiquement. Hein. Allez, Lucas Leiva. Qui va lancer
Usain Bolt. Ça c'est un peu débile, c'est le côté vraiment, je suis pas fan, c'est pour ça que dès qu'on aura un ailier gauche à peu près correct, on sortira Usain Bolt. Solution demi-tour. Allez, Iniesta. Iniesta. Ouais, on a essayé de dribbler. Ça, on n'a rien donné. Là, je pense que pour la vidéo, je vais m'arrêter à la mi-temps pour vous parce que c'est pas non plus passionnant le match contre l'IA. C'était histoire de vous montrer un peu notre équipe. On va pas aller au bout du match. Vous voyez quand même. Même si je sais pas si on va gagner, hein, parce qu'on tient bien. Allez, Abatté. C'est mon premier vrai match. J'avais fait un match. Comme ça. Allez Nani, on essaie de l'enrouler. Je suis pas encore bien tiré. Je suis encore bien frappé malheureusement. Ah là 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 là. Après voilà, sur FIFA, je sais que dans toutes les vidéos que je vous ai montrées, j'étais à quoi 80, 90% de ratio de victoire hein, sur les matchs. Sur PES, ça sera pas ça. Hein. Soyez indulgents, on va pas trop gagner de matchs, mais voilà, c'est. C'est le jeu, c'est plus dur, c'est comme ça. Donc voilà, ne vous attendez pas à me voir gagner autant que sur FIFA. C'est joué long, c'est dangereux. Ça ne sera absolument pas le cas. Voilà. Alors intéressant. On va chercher là-bas. Ça ne passera pas. Après, le truc c'est que je pense qu'on aura tous Usain Bolt, alors on verra si on est beaucoup à l'utiliser. Moi je sais que je l'ai utilisé juste au début, le raid côté droit, il a du mais soutien. Que il sera sorti assez rapidement. Mais je pense que tu auras des adversaires, il y a des joueurs qui vont le garder et le monter à fond. Et un joueur aussi rapide, ça peut faire mal. Franchement, je pense que ça peut faire mal Usain Bolt sur l'aile comme ça. Avec le ballon. Alors après, il a des stats pas folles pour le reste, mais il est tellement rapide. On verra. Attention, on est en danger là. Ça va, on s'en sort. Ouverture, on balance. Et c'est la mi-temps. Et moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Merci de m'avoir regardé. C'était le tout début de MyClub. Pour vous montrer un peu ça comme ça. Et nous, on se retrouve pour la vidéo et pour des matchs face à de vrais joueurs. Voilà. Allez, à très bientôt. Bye bye. Le score.